Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous représenter, alors je vous l'avais déjà montré lors d'une vidéo, mais je vous avais montré mon stylet mais usé. voilà, donc je vais vous représenter aujourd'hui, donc j'en avais recommandé un, j'en ai commandé deux. Je vous avais dit, il existait celui que je vous avais déjà montré. Donc, c'est des stylets où on n'a pas besoin de mettre de glu. Donc là, j'ai reçu déjà le premier qui a une pointe. Et j'attends celui avec deux pointes. Mais bon, là, c'est un peu plus long pour le recevoir parce qu'il vient des USA. Donc, bah, du coup, c'est un peu plus loin. Et le temps de livraison est plus long. Donc normalement, je devrais le recevoir la deuxième quinzaine du mois, entre le 15 et le 30. Donc bon, quand je l'aurai, je vous présenterai. Donc je vais déjà vous montrer celui-ci, que je vous avais déjà montré. Donc je vous avais montré mon ancien, ce que je l'ai sous la main, oui. Alors, hop, hop, viens par ici. Voilà, c'était celui-là. Donc ça, c'est mon vieux. Hein, mais là, maintenant, il est tout usé. Donc, bon, j'arrive encore à m'en servir. Hein. Mais donc, je me suis dit, je vais m'en recommander un, avant qu'il n'aime plus du tout. Alors, moi, je l'ai commandé sur Amazon. Je sais que certains d'entre vous, quand je l'ai présenté, l'ont commandé. Sur Amazon, il n'y en avait plus que 3 en stock. Du coup, ils n'en ont plus. Mais sur Amazon, c'est la boutique Perle & Co. qui les vend. Et donc, la boutique Perle & Co. a une autre boutique à elle, sur Internet également. Et donc, vous pouvez les retrouver directement sur leur boutique à eux, sans passer par Amazon. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. En plus, en passant directement par leur boutique, vous paierez moins cher. Parce que là, j'avais payé 5 euros, presque 5,50 euros, plus 3 euros de frais de port. Donc ça, c'est le tarif Amazon. Voilà. Et si vous passez directement par la boutique Perle & Co., là, il ne coûte que 4,80 euros. Et les frais de port sont à 1,78€. Voilà. Donc, bon, je comprends hein, que c'est plus cher sur Amazon. Bon, ils se prennent un pourcentage, hein, c'est normal. mais bon, si j'avais fait attention avant, que j'avais vu... j'ai pas fait attention que c'était la boutique Perle & Co. qui le vendait. Sinon, j'aurais été directement sur leur site et puis je l'aurais commandé là. Mais bon, voilà, c'est fait, tant pis, trop tard. Plus revenir en arrière. Bon, donc je vais vous le présenter et après je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc, on va l'ouvrir et comme je vous dis, je vous mettrai les liens. Donc du coup, je vous mettrai le lien avec la boutique directement hein, de Perle & Co. Alors à la base, ça c'est des stylets qui servent pour les strass. Pour mettre sur les ongles, tout ça. Voilà, c'est des stylets qui servent à ça. Et donc, moi, j'avais trouvé ça il y a 4 ans. Et donc, j'avais détourné ce stylet pour m'en servir en diamond painting. Et donc, j'avais vu que ça fonctionnait très bien. Donc, avec, vous avez un petit pic. Bon, le petit pic ne vous sert à rien pour le diamond painting, mais bon, voilà. Et donc, voilà, le stylet se présente comme ceci. Donc, c'est la marque Jewel Picker. Donc, il y a un petit chapeau. Hop, voilà. Et voilà la pointe. Donc, c'est une petite pointe en caoutchouc. J'espère que ça floute pas trop, voilà.
Donc, ça colle un peu, hein, quand on touche. On sent que ça colle un peu. Donc, c'est super léger, hein. Et du coup, avec ça, bah, vous avez besoin d'utiliser vos petits carrés de glu. Ça, vous n'en avez plus besoin. Vous avez juste à prendre vos perles et à les mettre sur votre tableau directement, donc avec cette pointe-là. Voilà. Donc, c'est du plastique, hein, sinon le corps, il n'y a rien d'extraordinaire. La pointe est en métal, et je vous dis, avec une petite boule en forme de... C'est un genre de caoutchouc, je ne sais pas en quoi c'est exactement. Mais je ne sais pas si c'est marqué là. Alors, attendez. Si c'est marqué en français déjà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Idéal pour positionner les petites pièces telles que paillettes, sequins, strass, etc. Le pic blanc est une aide précieuse pour tous les travaux de précision. Voilà. Ça peut vous servir pour autre chose. Hein. Alors, évitez de toucher la tête collante du pic au risque de réduire son efficacité. Pour la nettoyer de la poussière, des moutons, etc. Roulez le pic sur une bande collante. Voilà. Donc, bah, sur un scotch. Voilà. Pour le nettoyer, on va le passer sur un scotch et ça va nettoyer la poussière qu'il y aura dessus. Voilà. Donc, faites pas comme j'ai fait tout à l'heure, c'est pas bien. On passe pas ses mains sur la pointe. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Comment on s'en sert plutôt. Alors, je vais vous mettre vers le kit et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, là je suis sur mon kit de la cascade. Donc je vais vous montrer sur cette petite partie là, un petit cheveu. Donc voilà. Vous voyez là, vous voyez mieux la pointe. Donc je dis, voyez, donc une petite pointe en caoutchouc, donc collante. Donc on va mettre nos perles, hein, comme d'habitude. Donc vous avez juste à, hop, voilà. Voyez, la perle tient toute seule. Ça ne bouge pas. Et on va aller la mettre sur le kit. Voilà. Donc ça va tout seul. Oui, ça va vraiment bien. Donc, le petit clic que vous entendez, c'est justement l'adhésion qu'il y a sur la pointe ici, avec la perle qui, quand elle se colle sur le kit. Voilà, vous voyez. Et ça va super vite, du coup, avec celui-là. C'est super précis. J'ai pris à l'envers. Hop. Voilà.
Voilà. Vous voyez, en plus c'est super régulier, hein, mon bout. Donc il n'y a même pas besoin d'appuyer très fort, hein. C'est vraiment, on fait tout doucement. Là, je me suis mis de travers, c'est moi. Voilà. Regardez, on va continuer un petit peu. Et vous pouvez le faire aussi avec des carrés, hein. Voilà, voyez. Et attendez, je suis où? Et la pointe bouge pas. Hein. Bon, là, je vous dis, mon ancien, il est où? Il est là. Voilà. Alors, attendez, je cherche la caméra. Voilà, voyez l'ancien comment il est. Mais bon, il a 4 ans, hein. Mais j'arrive encore à m'en servir. Là, sur les côtés, je vais vous montrer. Donc là, par contre, je suis obligée de le prendre comme ça. Voyez. Voyez, malgré qu'il est tout usé, bah, ça colle toujours au bout de 4 ans. Hop. Oui. Bon, je suis un peu moins précise puisque je ne peux plus utiliser la pointe là, mais je peux encore utiliser les côtés, donc il n'y a vraiment aucun souci. Ça fait 4 ans celui-là. Voilà. Je vous montre les deux pointes. Voilà. Allez, on en fait encore un tout petit peu pour que vous voyez. Voilà. Pardon. Donc voilà, vous voyez, ça n'a pas bougé. Donc je vous remontre la marque. Donc là, en ce moment, sur le site de Perle & Co, j'ai vu qu'ils avaient encore du stock. Hein. Il y en a encore une dizaine en stock. Donc, si vous êtes intéressé, ben, ne tardez pas, puisque je pense qu'après que vous aurez vu ma vidéo, certaines d'entre vous vont vouloir aller le commander. Bon, là, moi, ce n'est pas un parrainage, ce n'est pas une pub, rien du tout. Hein. Je vous partage ce que... quelque chose que moi j'aime, voilà, donc c'est un bon plan pour moi.
Hop, on va finir la petite bande de blanc. Voilà. Et le petit dernier pour la route. Hop, il s'est perdu. Viens là, toi. Voilà. Donc voilà. Alors. Hop, non, dans le sens. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc vous pouvez le trouver donc sur le site de Pearl & Co. J'ai pas trouvé d'autre site par Amazon, mais bon, Amazon donc c'était avec Pearl & Co. Alors, j'en ai vu d'autres sur Amazon, mais les mêmes, hein. Mais alors les vendeurs le vendent à des prix incroyable. Je les ai vus même vendus jusqu'à 35 euros. J'ai fait, c'est n'importe quoi. Donc, surtout, n'allez pas acheter à ce prix-là. Hein. C'est pas du tout... c'est pas du tout son prix. Hein. Voilà. Donc là, je vous dis, c'est 4,80 € chez Pearl & Co. Et vous avez 1,78 € de frais de port. Donc, c'est en lettres suivies. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà. La marque, hop, et voilà. Et donc je vous rappelle, vous avez un petit truc comme ça avec, mais bon, peut-être que ça, on peut. Ouais, on peut peut-être s'en servir pour remettre bien une perle en place, voilà. Bon, pour dire de la voix. Mais bon, c'est pas ça, par contre, c'est assez souple, hein, donc voilà. Vous en servez. Oups. Vous en servez comme cure-dent. Non, mais voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Attendez, je reviens vers vous pour mieux vous faire un gros bisou. Donc voilà, je reviens vers vous donc pour vous faire un gros bisou, comme je le disais. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit stylet vous aura intéressé. Et puis, dès que je reçois l'autre, je vous referai une démonstration et je vous le présenterai. Si je le trouve ailleurs que sur Amazon, je chercherai et puis je vous montrerai également si je trouve d'autres liens pour l'autre stylet, puisque l'autre, je vous dis, là je l'ai fait revenir donc par Amazon, mais ça vient des USA. C'était au même prix, hein. C'était dans les 5 € aussi, 5,50 €, 5,49 €, un truc comme ça. Et là par contre, pour, en venant des USA, les frais de port étaient gratuits. Là, venant de France, il y avait 3 € de frais de port sur Amazon. Et venant des USA, les frais de port étaient gratuits. Bon, il ne faut pas comprendre, hein, mais bon. Mais bon, quand je le recevrai, je vous le présenterai. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et si vous l'achetez, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça me fera un plaisir de savoir aussi ce que vous en pensez. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.